Le temps de la pause déjeuner, le préau du collège s'est transformé en scène pour jeunes talents. Héloïse, Amélie et Claudia sont en quatrième. Elles s'entraînent depuis plusieurs jours pour danser devant leurs camarades. Si le lieu est original, le public, lui, peut se révéler intimidant. Il y en a, ils sont super... ils applaudissent tout ça, ils rigolent, enfin tout ça. Mais après, il y en a aussi qui critiquent et ça, voilà. Donc ça s'est très bien passé, donc voilà. Depuis 6 ans, le collège Anatole France participe à la semaine de la persévérance à l'école dans les Yvelines. Un temps fort pour mettre en avant les compétences inconnues et cachées des élèves et favoriser leur réussite scolaire. Ça permet aux enseignants et aux élèves de voir les élèves autrement. Un élève qui est en échec, quand il nous montre ce qu'il est capable de faire, nous aussi on a un autre regard sur ce qu'il est capable de faire et de le valoriser. Ça peut être des points d'appui pour justement l'aider mieux dans sa scolarité. Ce midi-là, pendant une demi-heure, les prestations s'enchaînent, de la danse et du chant, devant des camarades qui sont conquis, et Julien dans le rôle de l'animateur. Qui sont toutes les trois en quatrième et qui vont danser sur Kachi. Quand ils voient à quel point ça plaît aux élèves, ça les rassure et ils se disent, à la fin, en plus avec tous les applaudissements qu'il peut y avoir, ils se disent « j'ai réussi, c'était très bien » et ils repartent en cours avec un grand sourire et c'est ça qui est bien. Un grand sourire pour reprendre les cours et pour certains, l'envie peut-être de faire quand ils seront grands, carrière sur scène.